bienvenue à la belle saison. Du coup, tout l'été jusqu'au 30 septembre, on propose des animations pour les enfants avec des ateliers, que ce soit de la mosaïque, de la photo, des choses comme ça. Il y a aussi des concerts de musique, des DJ sets et plein d'animations tout l'été. On a beaucoup de monde, ça fait plaisir de voir des gens qui reviennent aussi d'un week-end à l'autre. Donc oui, on est très content d'avoir de plus en plus de fidèles. Alors la Guinguette, c'est une initiative de la ville qu'on a eue il y a environ 2 ans pour créer dans ce site magnifique un lieu de convivialité. On avait envie qu'il devienne vivant et qu'un grand nombre d'Orvaltais se l'approprient et profitent du site. Donc là, la réalisation nous emplit de joie et on se rend compte que ça répondait à un réel besoin des Orvaltais et puis des gens, des Nantais, des Herblinois qui profitent du côté de l'aspect bucolique de ce parc. C'est complètement intergénérationnel. Il y a des familles qui viennent avec des enfants, il y a des personnes plus âgées, il y a des jeunes. Enfin, ça brasse vraiment des types de populations très variées. Le public est vraiment au rendez-vous. Les gens sont heureux, détendus, donc tout va bien. Oui, on trouve ça très sympa, la Guinguette. Du coup, on vient même en famille et puis on se donne rendez-vous avec des copains. Et je trouve que ça a été une bonne idée de la part de la commune d'Orvault d'organiser ça. On est Orvaltais. Et on trouve ça super quoi. En plus il y a un grand parc, on peut se promener, enfin les enfants peuvent jouer et tout. On a tout à disposition, c'est vraiment une super idée. C'est à la fois agréable, convivial et sympathique. Je trouve que c'est un espace qui est hyper agréable. Là on avait un petit concert, la nourriture est bonne, c'est très reposant, très relaxant comme endroit. C'est un endroit qui manquait à Orvault, ça donne un peu d'animation au quartier. C'est top, il y a du beau monde, un petit peu de musique. On est là entre amis, donc il y a une bonne ambiance. C'est bien pour passer une petite soirée entre amis, c'est top. Hey, c'est franchement extraordinaire. Nous on est voisins du parc de la Gobinière. Ma femme m'a dit ce soir, écoute, on va aller faire un petit tour à la Guinguette et puis au château de la Gobinière, on va voir ce que ça donne. Et là, on se retrouve dans un environnement super sympa, il y a une ambiance de folie, c'est franchement très très bien. Et puis l'organisation est vraiment, vraiment très très bien faite, quoi. Donc c'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir d'être Orvaltais quand même. Hein. On est très contents. on n'était jamais venu au parc de la Gobinière, on n'en avait jamais entendu parler. Et en fait, ça a apparu par hasard sur mon fil d'actualité. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de faire un petit détour et on n'a pas été déçus. Il y avait un bon concert, les frites sont délicieuses et on passe un très bon moment. Et la Guinguette est très très sympa, le cadre est juste formidable. Et tout le concept qu'il y a autour, avec la restauration, les petites animations, les petits concerts, c'est très familial, très agréable, très reposant. Et c'est vraiment un endroit dans lequel on prend plaisir à venir et à revenir surtout.